Ah, merci, Maxime. Finalement, nous pouvons sortir d'ici. Les humains sont partis, donc c'est le temps le plus idéal à bouger et à vivre notre vie. Je suis excité de sortir de cette porte crayon. J'étais presque prêt à mourir si c'était si agréable là-dedans. Ben Will, tu dois savoir que dans cette vie, c'est pas facile de vivre comme une efface. On vit dans la planète salle de classe et j'entends beaucoup d'histoires épeurantes des efaces comme toi qui meurent après un examen de 10e année. Les élèves trompent tellement qu'ils effacent leurs erreurs avec des jeunes comme toi et ça finit jamais bien. Tu veux dire que les élèves vont me tuer au prochain examen? Désolé Will, mais c'est ça la réalité de cette vie. Ben Maxime, je sais que je suis nouveau sur cette planète, mais tu dois essayer de me sauver. Je veux pas mourir! Will, le prochain examen vient rapidement. Il y a rien que je peux faire. Regarde, l'examen est juste là. Tu es dans la merde, toi, là. Maxime, est-ce que tu crois au miracle? Parce que maintenant, je suis complètement fuck. Hey! Pardon? Jésus? Bouddha? S'il vous plaît, donnez-moi un miracle. Ah, ben, tabarnouille. C'est juste moi, Engelbert. Mais je sens ton malheur. La classe de la première période m'a aiguisé tellement que je veux mourir. Hey, je veux pas savoir de tes problèmes. J'ai déjà en masse. Je veux te dire que peut-être je peux te sauver la vie. Ben, tu peux faire rien pour le sauver. Ton efface est déjà tout usé. Arrête de parler, respecte tes années. Les gens parlent trop. Écoute ce que j'ai à dire. Je veux pas vivre avec mon corps comme ça. Penses-tu que les filles veulent utiliser un crayon tout taillé? La longueur compte, tu sais. C'est ça. Oui, j'ai un plan. Et c'est génial. Tu veux pas vivre et Will veut pas mourir. Nous devons pas rester ici en espérant que les élèves feront pas d'erreur. On doit éliminer les élèves. Tu veux pas dire que tu veux tuer un élève? Oui, voici mon plan. Engelbert, rends-toi dans la pomme ici. Et si mon plan fonctionne bien, Will sera sauvé. Ben, j'espère que ce plan va fonctionner, parce que vraiment... Hey, merci, Maxime. Je t'en dois une. Ah, je suis vraiment faim. Je dois vraiment manger quelque chose pour être préparé pour le pire.